Les capteurs montrent une anomalie. Sonde larguée. On est aux coordonnées fournies par Cora? On approche des coordonnées de Cora. Il y a quelque chose. C'est peut-être une arche, mais avec cette saloperie de fléau. Sam, affine les relevés. Mais comment le Lusigna aurait pu survivre là-dedans? Voyons surtout comment les aider. Très juste. Aider les Asari, énerver les Kert, ça détend. Sarissa aura des idées pour les chasseurs de la décimation. Elle gère à merveille les situations de crise. Cette fameuse guerrière d'élite, vous êtes sûr qu'elle nous sauvera la mise? Sarissa était une légende avant même d'entrer au service de la pionnière. Elle saura quoi faire. Ah, je détecte un vaisseau de l'initiative. Des signes de vie. Et la puissance au minimum. Des brèches dans la coque. C'est une épave. Le fléau, ou bien les Kert, ont laissé leur marque. Callo, on y va. D'accord. Si je trouve une baie d'amarrage, tu tiennes le coup. À bord. Pas de réponse à nos transmissions? Non, rien. Leurs capteurs sont peut-être HS. Quel bordel! Alors, on fait plus le ménage quand on reçoit des invités? Ouais, y a quelqu'un? Dépressurisation lancée! Crevez, sale Kert! On n'est pas des Kert, on est l'équipe du pionnier. Ryder, le lieutenant Harper et... Sam, envoie-lui nos codes d'identification. Identité confirmée. Désolé. Ici Atandra, capitaine du Lusigna. Ou de ce qu'il en reste. Rejoignez-moi sur la passerelle. Vous pourrez peut-être m'aider à arranger tout ça. Elle a les nerfs à vif, on dirait. Il y a eu des combats par ici, mais aucun corps. Je sais pas ce qui s'est passé, mais le capitaine a l'air d'avoir la gâchette facile. Si le tempête était dans cet état, comment vous le prendriez? Mais vous auriez jeté toute l'équipe dans l'espace?
Avec tout mon respect, oui. On ne peut plus prendre de risques. Sarissa Terris, pionnière. N'écoutez pas le capitaine, elle me gronde pour se détendre. Cora pensait que la célèbre Sarissa aurait pris les choses en main. Je croyais que la matriarche Ishara était pionnière, et vous, sa garde du corps, sa Tiamna. J'étais dans les commandos à Sari. Je connais tous vos manuels par cœur. La matriarche Ishara est morte. Sarissa lui a succédé. Ces manuels n'ont pas protégé mon arche des Kertes. Qu'est-ce qui s'est passé? Que vous veulent les Kertes? La matriarche Ishara est morte en voulant négocier avec ses Kertes. Mais ils ont aussi perdu un précieux atout. Je leur ai volé un module contenant des données. On a tous leurs itinéraires secrets à travers ce phénomène. On appelle ce phénomène le fléau. Si on pouvait s'en servir contre les Kertes... On aurait plus de chances de les battre. L'Archonte le croit aussi. Il a envoyé son agent d'élite, le Vaillant, et la décimation à nos trousses. Chaque attaque du Vaillant fait plus de dégâts. Ils sont même montés à bord la dernière fois. Le vol de Sarissa a rendu les choses... problématiques. Combien est-ce que vous avez d'intrus à bord? On ne sait pas trop, mais pour l'instant ils sont bloqués en bas. On ne pouvait pas faire mieux. L'évacuation des civils est passée avant tout. Le Vaillant veut faire payer Sarissa. Les pionniers doivent prendre des risques, capitaine. Je ne suis pas le dernier. Que la déesse m'aide. Qu'est-ce qui vous manque pour sortir l'arche d'ici avant que ce Vaillant revienne à la charge? Une charge SLM assez longue pour le semer. Mais depuis l'évacuation, on est en puissance minimale. Le propulseur est mort. Mon équipe est sur le coup, mais ses systèmes sont dans les ponts inférieurs, avec les Kertes. Une autre équipe de pionniers pourrait les aider. Activez le propulseur. Mon Sam et moi ont fini de déchiffrer les données Kertes. On va retourner les sorties du Vaillant contre lui. Première règle, connaître ses sorties possibles. Le dernier rapport du commando venait du hangar. Je vais vous ouvrir l'accès. Faites attention. Les pionniers prennent des risques, c'est le moins qu'on puisse dire. La matriarche Ishara, votre père... On jette les dés et... Eh, parfois on gagne. Allez, plus vite on trouvera ces guerrières d'élite, mieux ça vaudra. C'était aussi calme quand les arches traversaient l'abîme, vous croyez? Plus calme encore. Elles étaient pas en rade à ce moment-là. Le Lusignia reviendra à la normale une fois qu'il sera réuni avec le Nexus. Nous y voilà, le hangar. Hé, regardez, on a peut-être une copine. Elle doit faire partie de l'équipe de Sarissa. Stop! Au nom de la déesse, je vais... Tirez sur les secours. Les secours? Des humains? Votre arche a réussi! Il s'en est fallu peu. Je suis Ryder, le pionnier humain. Voici mon équipe. Je suis Vedéria Damali, commandante en seconde de Sarissa. Désolée pour la confusion. Besoin d'aide? Le capitaine dit qu'on doit rétablir le courant pour passer en SLM. Ah, oui. J'ai suivi la fuite et je pense qu'il suffit de fermer les portes du hangar. Les Kertes ont forcé les portes, et les sûretés pompent le courant en essayant de les refermer. Ne vous en faites pas. Mon Sam peut sûrement annuler tout ce qu'ils ont fait. Les Kertes peuvent survivre quelques instants dans le vide. Si on ferme les portes, les chasseurs du Vaillant perdent leur dernière issue. Pourvu qu'il y ait assez de courant pour le SLM, je... Vedéria, j'ai été chasseresse. Pensez au manuel de Sarissa. Souffle, idée, action. Souffle.
Jetez un œil à la console. Je monte la garde. Amorçage de la séquence de fermeture des portes du hangar. Descartes! Ça va aller. Protégez la console pendant que Sam travaille. Des tirs réguliers. Compris. Fermeture des portes du hangar à 21%. Fermeture des portes du hangar à 53%. Console activée. Restez dans son rayon. Console activée. Vous devez rester à portée. Terminal actif. Restez à portée. Console activée. Restez dans son rayon. Console activée. Restez dans son rayon. Console activée. Vous devez rester à portée. Fermeture des portes du hangar à 77%. Les portes du hangar sont fermées et verrouillées. Les cartes n'ont aucun accès. Védéria, on devrait lui demander. C'était quoi ça? Il semblerait que plusieurs des raccordements électriques de l'Arche aient subi une surcharge. Merde. Védéria? Védéria, Sam dit qu'on a perdu des raccordements. Je sais, la surcharge a déclenché un incendie. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Du calme, soldat. Qu'est-ce qui aurait pu causer la surcharge? Quelque chose qui draine le courant des ponts inférieurs? Quelque chose de gros? La décimation a peut-être trafiqué quelque chose. Ils en seraient bien capables, ces fumiers. C'est Kert, ils doivent nous observer. Si les réparations prennent trop de retard, le vaillant va nous rattraper. Si on fait vite, on devrait réussir à déjouer leur plan. Bon, première chose, les derniers modules de stase, je m'en occupe. Vous pourriez aller voir ce qui draine le courant en bas et essayer d'éteindre l'incendie? C'est par où les ponts inférieurs? Les quartiers. Je vais ouvrir un accès de maintenance. Vous pourrez couper par là. Bonne chance. Envoyez les cartes croupir dans le néant. Ryder, ici Sarissa. On a eu du courant, puis un rapport d'avarie. Qu'est-ce qui s'est passé? Un accident. On est en train de réparer. Très bien, poursuivez. On continue à préparer le propulseur.
On ne vous décevra pas. Je n'en doute pas, lieutenant. Terminé. C'est le noir complet ici. Attention où vous mettez les pieds. Je suis derrière. Je suis presque au module de stase. Ah merde, pas de courant pour les ascenseurs. Vederia, coupez les verrous magnétiques de l'ascenseur. Si cette arche est comme la nôtre, vous pourrez descendre par la cage. Bonne idée, merci. Entassés ici, à attendre, et l'alarme d'urgence qui retentit. Tout ça à cause des Kertes. J'espère vraiment que les enfants ont quitté l'Arche avant l'arrivée de ces créatures. C'est encore Vederia. Deux Kertes voulaient s'en prendre au module de stase. Mais je me suis occupée d'eux. Bon travail. Souvenez-vous des manuels de Sarissa. Restez discrète. Compris. Les modules ne risquent rien. Je continue à chercher la fuite de courant. Ces feux sont inquiétants. Pourquoi le système anti-incendie ne s'est pas déclenché? Soit il manque de courant, soit l'explosion a endommagé le système. On pourra arranger ça si on trouve les commandes. Et ensuite, atteindre ceux qui pompent tout le courant sans se faire griller. Ici, Vederia. Les Kertes m'ont vu. Je suis coincée dans un conduit de ventilation. Préparez vos pouvoirs biotiques et éliminez-les quand ils passent. Mais ils vont entendre. Vous êtes une chasseresse, une prédatrice silencieuse. Compris. Commande d'extinction qui intéressait les Kertes. Par là-bas. Utilisez les commandes d'extinction pour éteindre l'incendie. Ah ! Bon, c'est grillé. Si c'est pas ironique. Le raccordement électrique est endommagé. Je vous conseille de trouver une autre solution. Je vois pas comment réparer. Quoi que ça puisse alimenter, l'Arche a besoin d'un système anti-incendie avant tout. Voilà, on réessaie. On devrait avoir un peu moins chaud maintenant. Ici Vederia à nouveau. J'ai eu le Kert. Il a riposté, mais je vais bien. Et maintenant que les hangars sont fermés, j'ai réussi à trouver d'où vient la fuite électrique. Retrouvez-moi à ses coordonnées. Capitaine Atandra, on fait chauffer le propulseur, mais il nous faut plus de puissance. On s'en charge, capitaine. Bien. Le vaisseau du Vaillant est toujours dans les parages. La matriarche Ishara et toutes les autres. Leur mort ne doit pas rester vaine.
y a? Ça fait comme des ongles sur du verre. On dirait une plateforme d'observation. Pour observer le bordel qu'ils ont foutu partout? L'évacuation a dû avoir lieu sur le pont, là-bas. Ryder, par ici. La déesse Swallowé, vous allez bien. Là, voilà ce qui draine le courant. Qu'est-ce que c'est que ça? Les attaques des Kertes ont dû arracher un bout de la coque, et quelqu'un a fabriqué un générateur de champ gravitationnel. C'est ce champ qui tient la coque en place, sûrement pour permettre d'évacuer le pont de l'autre côté. Celle qui a fait ça était brillante. Elle a dû sauver beaucoup de vies. J'espère qu'elle s'en est tirée. Maintenant que le pont est vide, il faut qu'on éteigne le générateur. J'ai déjà essayé, mais rien. Vous pouvez le scanner? Votre Sam trouvera peut-être un moyen. Il faut deux personnes pour éteindre ce générateur. Une qui débranche les câbles, et l'autre au générateur proprement dit. Je m'occupe du générateur. Attention, une fois lancé, le cycle de sauvegarde doit arriver à son terme. Sinon, le générateur entrera en fusion. Prête, Vederia? Je débranche le premier câble. Des Kertes! Surveillez le générateur, on s'en occupe. Mais on a besoin de vous, Vederia! Vous pouvez y arriver! Attention à la vitre! Vous en faites pas, on a des bottes magnétiques, pas eux. Deuxième câble, on y est presque. Encore des Kertes, abattez-les. Par la déesse, combien on peut monter à bord? Maintenant. J'en suis au dernier câble. Encore une attaque. Ils sont désespérés, Ryder. C'est sûrement les derniers.
générateur peut maintenant être désactivé. Plus de bruit. Enfin. Si on nous demande, c'était comme ça quand on est arrivé. Ici le capitaine Atandra. Ryder, le propulseur redémarre, c'est bon. Quelques minutes et on dégage. On peut quand même passer en SLM s'il y a, disons, un gros trou dans la coque. La manœuvre que j'ai prévue devrait faire l'affaire. Si le mode SLM n'est pas... on se débrouillera. Ici Sarissa, bravo à tous. On est presque à la maison. C'est vraiment terminé. Je vais les rejoindre, elles pourraient avoir besoin de moi. Vous avez aidé à sauver l'Arche. Pas mal pour votre première mission majeure. Sarissa peut être fière. Vous ferez une excellente guerrière d'élite. Vous êtes bien placée pour le savoir. Merci pour tout. Que la déesse vous guide. Pionnier, le rétablissement du courant a libéré un cache de données dont le registre de succession de la matriarche Ishara. Tu peux y accéder ? C'est de vous dont j'ai besoin, pas des données. La barrière va céder. Ishara, ils vont mettre l'arche en pièces. Ces données, c'est la seule chose qui peut nous faire gagner du temps. Attention, renfort car qu'on approche, pionnière Ishara. Sarissa, mon Samne, Tiamna, pitié! Je dois les sauver, même si je ne peux pas vous... Pardonnez-moi. Tiamna voulait dire gardienne des temples. Une protectrice qui restait loyale en toutes circonstances. Sarissa l'a abandonnée. À quoi sert une gardienne qui n'est même pas capable de protéger sa pionnière? Après tout ce qu'elle a écrit sur le devoir, le sacrifice... Merde, Ryder. Qu'est-ce que je dois faire? D'abord, on... Ici Atandra, les chasseurs Kert nous ont pris par surprise. Un transporteur se dirige vers la brèche du pont 12. Combien de temps avant le SLM? Trop longtemps. Sarissa arrive. Repoussez-les! Tout le monde met son casque. Générateur de champ gravitationnel est toujours connecté. Son activation à distance risque d'affecter la pesanteur locale. C'est bon à savoir. Gardez vos bottes magnétiques activées. Et faites gaffe aux trous géants! Des renforts.
Ryder, le Vaillant envoie d'autres Kert. Sarissa n'est plus très loin. Ne faiblissez pas. Assez. La destination sera esprit de refus. J'aurai ma proie. Ça doit être le Vaillant. Abattez-le! La voleuse Asari se cache derrière ses sbires. C'est elle qui tire les ficelles. Elle sera jugée comme les autres. L'équipage est très réduit, mais ça devrait suffire. L'Arche atteindra le Nexus. Quel qu'en soit le prix. Vous devez parler à Sarissa du message d'Ishara. Je voulais vous remercier. Vous avez fait un travail exemplaire. Je suis fière de... Madame. Sarissa, on sait pour Ishara. L'archive demeure ? Ces derniers instants sont donc préservés. Vous avez abandonné votre pionnière ! Vous valiez mieux que... J'ai choisi de sacrifier une vie pour en protéger beaucoup d'autres. C'est ce qu'on m'a appris à faire, lieutenant. Mais vous ne leur avez rien dit. Sinon, vous ne seriez plus leur grande héroïne. Et ce serait peut-être mieux comme ça. Mon rôle de pionnière, c'est leur donner de l'espoir. Ryder, vous le savez, n'est-ce pas ? Il faut les mettre au courant. Laissez-les décider. Ryder, Korra, ne faites pas ça. Désolé, mais on doit préparer l'approche du Nexus. On a une sacrée histoire à raconter. Ce n'est pas tout.
Sarissa a préféré sacrifier la vie d'Ishara pour avoir les données d'Eckert. Notre Sam a trouvé la preuve. Vous, Ishara est morte à cause d'une de vos idées insensées. Les Kert l'ont tuée. Je devais être sûre que l'Arche leur échapperait. Et on leur a échappé. Encore et encore. Ils nous pourchasseraient toujours si on n'était pas tombé sur Ryder. Qui est la suivante? Vederia? Peut-être qu'une bonne pionnière a besoin d'humilité. On en a un exemple avec Ryder. Si vous voulez mon avis là-dessus, je laisserai Sarissa à son poste. C'est une plaisanterie. Vous ne pouvez pas vous passer d'une pionnière aussi douée et expérimentée. Mais si elle déçoit son peuple encore une fois, je ferai ce qui doit être fait, Atandra, et j'en assumerai les conséquences. Je ne comprends pas pourquoi vous faites ça, Ryder. Mais elles comprendront peut-être et me pardonneront. Vous pouvez survivre sans leur pardon. On nous apprend ça aussi. Hé, hey, tout va bien? Je pourrais refaire cette journée du début. En évitant de discréditer une héroïne devant toute son arche. J'avais tellement foi en Sarissa. Mais au final, les Asari sont aussi perdus que nous. On connaît notre mission. Je pense qu'on sait très bien où on va. Évidemment, je parle à un pionnier, après tout. Merci d'avoir été à mes côtés sur le Lusigna. Je peux vous dire quelque chose? Bien sûr. Le vieux a bien fait de vous choisir comme pionnier à ma place. Je ne trace pas ma propre route. Je cherche toujours un mentor pour me guider. Si j'avais été pionnière, j'aurais fait des erreurs pires que celles de Sarissa. Tout le monde fait des erreurs. Vous n'en êtes pas moins une femme talentueuse et intelligente. C'est ce que vous voyez? Oui, toujours. Comment? Vous êtes important et courageux. Moi, tout ce que je vois dans le miroir, c'est Sarissa, la pionnière que j'aurais pu être. Vous savez que j'y arriverai pas sans vous. Ryder. Ou plutôt, je ne veux pas le faire sans vous. Écoutez, je sais qu'on flirte un peu l'un avec l'autre, et c'est agréable. Mais pour être franche, ça me fait le plus grand bien que vous soyez là. Vous venez dans mes bras? Avec joie. Merci. Ça ira. Je dois juste réfléchir à tout ça. Enfin, si j'arrive à penser à autre chose qu'à vous. Je suis dans le module d'évacuation, comme d'habitude.
Je vais le faire. J'ai fait tous les tests possibles, c'est comestible. Si on doit s'installer ici, il faut bien que quelqu'un se jette à l'eau et essaie de manger ce qui y pousse. Docteur Tepero, par pitié, faites quelque chose. Ne faites pas ça, Souvi. Vous m'avez dénoncé? Je croyais qu'on était amis. Monsieur, vous n'êtes plus invité à aucune de mes fêtes. La génétique des Kert défie notre entendement. Ils sont faits de différentes espèces, et pourtant, ils sont entièrement Kert. C'est étrange, terrifiant et fascinant à la fois. N'oubliez pas, pendant qu'on étudie leur génétique, ils font sûrement la même chose avec la nôtre. Génial, je sens que je vais faire de beaux rêves. Je ferais mieux de m'y remettre. Ça marche. C'est une dure à cuire, votre Moshei. Elle me rappelle ma mère. Elle est le pilier de votre communauté, elle aussi? Elle a jamais eu à affronter une unité de Kert, mais elle a dû me supporter. Tout aussi héroïque. Connard. J'ai une copie de la cinémathèque du Nexus. Merci, je vais y jeter un œil. Espérons que je trouve mon bonheur parmi cette foule de lots éducatifs sur l'agriculture. Je vous tiens au courant.
Ryder, vous avez déjà rencontré Spender des affaires coloniales? Ce connard d'assistant de direction? Je ne sais pas pourquoi Addison le garde avec elle. Spender a menti au Krogan pendant la révolte, et depuis il la cache dans le collimateur. Il mijote quelque chose, mais j'ai aucune preuve. On devrait aller lui rendre visite sur le Nexus. Qu'est-ce que ça fait d'avoir Kesh comme petite fille? Kesh, c'est ma Roushane, la chair de ma chair. C'est moi qui l'ai élevée. Et je suis sacrément fier d'elle. Elle s'en est bien sortie, surtout avec un grand-père comme moi. Elle est honnête. Elle mâche pas ses mots. Il fallait bien que je lui transmette quelque chose. Est-ce que Lexi vous a briefé sur Sam et la connectivité de groupe? Ouais, vous pouvez brancher ce truc à ma transmission si vous voulez. Mais ça ira pas plus loin. Vous mettre une IA dans la tête, lui donner accès à tout, c'est la catastrophe assurée. Ça me réjouit pas non plus, mais c'est comme ça. Assurez-vous juste qu'elle puisse pas s'émanciper toute seule. Ça nous coûtera cher si ça arrive. J'aimerais en savoir plus sur vous. Demandez ce que vous voulez. Comment vous avez rencontré Vetra? Ah, c'est vrai. Votre père vous a rallié au projet assez tard. Le réveil post-stase a dû être brutal. Vous avez eu un tas de trucs à apprendre sur le tas. On peut dire ça. Vous avez fait comme vous avez pu, ouais. Bref, j'ai rencontré Vetra quand le Nexus était encore en construction. J'étais à la recherche de matériel pour Kesh, et elle me l'a piqué juste sous mon nez. J'ai essayé de l'intimider pour qu'elle me le rende, mais au cas où vous le sauriez pas déjà, faut pas la faire chier, la Turienne. Là, je veux bien vous croire. Ouais, elle m'a bien remis à ma place. Mais c'est pas tout. Elle a attendu qu'on se recroise dans le bureau de Kesh, en plus, pour me dire qu'elle bossait pour Maruchan depuis le début. Elle perd pas une occasion de me le rappeler, l'une comme l'autre. Parlez-moi de la colonie Krogan. C'est là que vit mon clan. On a aussi des éclaireurs à la recherche de territoires non revendiqués. On est bien installés, autosuffisants, la totale. On a même des cultures. Des cultures? Des Krogan cultivateurs? C'est pas parce qu'on peut manger n'importe quoi qu'on doit se contenter du fumier. J'aime beaucoup les racines de Corcro, personnellement. Ça fait travailler la mâchoire. Vous pourriez me donner des détails sur vos nombreuses expériences au combat? La liste serait plus courte si vous me demandiez ce que j'ai pas fait. Ça fait un bail que je suis dans le milieu. Des siècles. Merde, ça fait même plus d'un millénaire. Je sais pas comment je suis toujours en vie, à vrai dire. Le talent? C'est de la chance qu'il faut pour être mercenaire. Du talent aussi, oui, mais surtout une sacrée dose de chance. Et une tête bien dure. Vous avez des histoires ou des conseils à partager? Et les pijacks, ça se gratte les fesses? Bah évidemment. Vous avez des conseils à me donner sur les Kertes ou le combat en général? Eh ben, les Kertes de base sont pas compliquées. Frappez fort et ils tomberont comme n'importe quel ennemi. Dites-moi plus sur comment combattre les Kertes. Les prédateurs sont beaucoup plus fourbes. Ils aiment surgir derrière vous quand vous vous y attendez le moins. Tendez bien l'oreille. Ils ont tendance à se trahir juste avant d'attaquer. Commencez par détruire leur plaque frontale, et puis un tir en pleine face devrait finir le boulot. Pourquoi les Krogan ont quitté le Nexus? Le Nexus a demandé aux Krogan de mettre un terme à la mutinerie. En échange, on devait obtenir voix au chapitre des affaires de la station. Mais Spender, l'assistant d'Addison, avait menti sur les termes de l'accord, et Tan n'a rien voulu savoir. Donc, on est parti. Kesh est toute seule à la station, maintenant. Vous croyez que Kesh se prête au jeu politique de la station? Kesh a plus d'un tour dans son sac. Spender, par contre, est un menteur et un lâche. Il a participé à la mutinerie, j'en suis sûr. Beaucoup de gens ont souffert à cause de lui, des deux côtés. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Il faut régler ce conflit. Mon clan doit revenir sur la station, mais sans Spender, pour tout foutre en l'air. À mon avis, vous êtes le mieux placé pour ce job. On reparlera plus tard. Ça marche! Ah, une dernière chose. Ouais? J'aime pas spécialement qu'on m'appelle gamin. Je vais essayer d'arrêter. Mais je vous préviens, ça risque de m'échapper.
Tout va bien ? Ah oui. Pibi et moi, on était en plein débat, c'est tout. En pleine engueulade, vous voulez dire ? Non, ce ne serait absolument pas professionnel. Si vous le dites. Ryder, vous me trouvez coincé ? Je... Non, laissez tomber. Inutile de répondre. On a... qu'à parler d'autre chose. Je suis tombé sur un autre fragment de souvenir. Mon père a créé Sam pour ma mère, pour la soigner. Je savais que c'était l'une des raisons. Vous ne saviez pas que c'était son origine. Il a tout abandonné pour essayer de la sauver. Vous ne saviez pas combien sa famille comptait pour lui. Pas vraiment, non. Peut-être que c'est justement ce qu'il voulait vous montrer. J'ai vu un autre souvenir de mon père. Cette fois, j'étais là. Sarah aussi. On était chez nous pour une visite éclair. Mon père nous a parlé de son passage par le relais de Caron. Alors, vous tenez votre goût pour l'exploration de votre père. Mon père m'a poussé dans cette voie, mais c'est pas grâce à lui que je suis là. Peut-être pas de façon active, mais il a eu de l'influence. Je vous laisse travailler. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là.